Bonjour, on continue les énergies et les conseils du tarot pour ce mois de novembre 2015. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, des vecteurs d'influence et que selon votre thème de naissance astrologique, vous y serez plus ou moins sensible. Alors, cher ami Balance, pour vous, c'est un mois un petit peu mitigé. Votre gentillesse ne fera peut-être pas l'unanimité au sein du travail ou en tout cas dans vos projets personnels. Cela présage peut-être des petits soucis et cela risque de vous affecter bien plus qu'il n'en devrait. Essayez de relativiser, de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à des situations éventuellement conflictuelles. Les petits conflits ne sont pas aussi catastrophiques et s'arrangeront d'eux-mêmes. Aussi, ne vous auto-flagellez pas et ne vous culpabilisez pas. La situation est passagère. Côté sentimental ou familial, vous pouvez compter sur votre famille et vos amis pour vous remonter le moral. Eux, ils vous apprécient à votre juste valeur et pour vos qualités et ils ne manqueront pas de vous le faire savoir. Avec la maison Dieu, vous aimez les situations claires et vous seriez prêt à mettre un grand coup de balai dans ce qui ne va pas pour retrouver une forme de sérénité. Essayez de modérer votre action, toujours avec courage, allez-y en douceur. Soyez un peu plus prudent dans votre manière de faire afin de ne pas occasionner de dommages collatéraux. Réglez les problèmes au fur et à mesure, sans précipitation et agressivité, ni sans attendre non plus d'être dans un état d'urgence. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de novembre, les balances.